Coucou tout le monde, je suis Danfield et aujourd'hui on découvre Noita qui est une merveille technique que je vais vous présenter depuis quelques temps. Dans ce jeu absolument tous les pixels sont simulés physiquement, vous pouvez donc interagir et détruire absolument tout du moment que vous avez les bons outils. Vous pouvez au passage créer vos propres potions et vos propres sorts magiques, vous allez voir c'est vraiment un jeu complètement dingue. Donc ne vous fiez pas juste à l'apparence visuelle, vous allez voir il y a énormément de simulations qui tournent sous le capot. Donc là on a un action roguelike dans lequel on doit explorer une mine, hein, donc on doit aller de plus en plus profond, on va combattre des ennemis, des boss, engranger de l'or et petit à petit débloquer du meilleur matériel et des meilleurs stats. Donc en haut à gauche, vous pouvez voir mon inventaire. En général, on interagit avec le monde avec des baguettes que l'on va pouvoir modifier. On va voir comment dans un instant. Certaines comme celle-ci peuvent attaquer à l'infini et d'autres comme celle-ci ont des charges. Donc vous voyez là, j'ai 3 charges pour celle-ci. Vous allez également avoir des fioles que vous allez pouvoir remplir avec des liquides que vous allez trouver dans le monde. Donc vous pouvez trouver du poison, de la lave, de l'eau et d'autres choses un petit peu plus dingues. Et vous pouvez soit jeter la fiole, soit jeter un petit peu le liquide qui est contenu dedans pour interagir. Donc vous pouvez faire des mélanges pour faire des potions et débloquer de nouveaux liquides, ce qui est complètement dingue. En haut à droite, on voit ma santé. Et vous pouvez voir le jeu d'aéropassage est traduit en français pour le peu qu'il y a. Là, nous avons l'énergie de lévitation, comme il l'appelle. En gros, c'est pour notre jetpack. Et nous avons en dessous la mana de la baguette. Voilà, pour certains sorts, on va en avoir besoin. En avant, et je vais commencer par vous montrer un peu les interactions avec le monde qui sont juste fantastiques, je trouve. Donc là, je suis dans de l'eau, mes habits se mouillent et je suis donc protégé des dégâts de feu. Par contre, plus je vais être proche d'une flamme, plus les habits vont sécher rapidement. Et là, on a un petit chariot, donc je vais donner un petit coup. Et vous pouvez voir qu'il roule, hein, les roues, hein, grâce aux roues. Et je vais casser ces roues. Hop, voilà. Et donc maintenant, le chariot ne va plus pouvoir servir de la roue avant pour se déplacer. On va peut-être pas le voir là, c'est pas grave, mais c'est pour vous donner une idée du niveau de détail. Et là, nous avons des petites lianes. Hop, vous voyez, je vais casser ça. Ah, là, nous avons... Hop, là, zut, je voulais casser en fait la stalactite qui est... ou stalagmite, j'en sais rien. Donc là, c'est tombé par terre. Et vous pouvez voir donc que l'eau s'évapore et elle va être piégée par le plafond. Et on peut faire la même chose pour tous les types de gaz. Donc vous pouvez voir avoir des nuages de poison et vous allez voir ça exploser au contact du feu et tout cela. Donc vous pouvez vraiment faire des expériences. Et comme je vous ai dit, on a également des fioles. Alors on peut l'acheter et la casser ou on peut juste balancer le liquide pour... pour le mélanger avec un autre ou pour faire une interaction chimique, éteindre un feu, ce genre de choses. Et on peut la remplir en étant dans des flaques suffisamment profondes. Donc là, on est à combien? Là, elle est pleine vu que je suis apparemment dans l'eau. Vous voyez, là, l'eau s'est vidée où j'étais. Je peux poser l'eau là, je me mets dedans et l'eau va être remis dans la fiole. Si je la vide complètement, je peux remplacer le contenu par un autre liquide. Du moment qu'il y a de l'eau, ça reste normalement de l'eau si je dis pas de bêtises. Bien, alors maintenant qu'on a vu tout ça, on est parti et on est entré dans la mine. Et alors il y a des ennemis. Le but est donc de progresser le plus possible en tuant des ennemis, ramassant de l'or et améliorant notre matériel. Donc tout a des caractéristiques. Le bois peut prendre feu facilement, il peut être cassé plus facilement. Là on a un tas de charbon, sans pas besoin de vous dire que le charbon... Oups là. Pas grave, elle est tombée sous le charbon, c'est pas grave. On continue. Donc là on explore et ce que je veux faire c'est améliorer mon matériel, trouver de nouvelles baguettes car c'est avec ça que l'on va faire nos sorts. Oula, 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 quelque chose a pris feu là. Et ça c'est pas bon pour moi du tout. Donc je vais essayer de trouver, il y a deux en bas. Ok, on va sauter avec eux. Et je vais tout de suite, hop, balancer une bombe. Boum. Génial. Bon bah là j'ai tué l'ennemi. Alors on va choper la baguette et on va la mettre dans l'emplacement 3. On a franchement pas le temps de voir ce qu'elle fait là. Alors je vais voir est-ce que je peux trouver l'or des gars que j'ai tués. Est-ce qu'ils sont tombés? Ah, ils sont même pas morts. J'hallucine. Ok, bon voilà, donnez-moi votre or. Tout votre or est à moi et là-bas. Ah ok, là-bas. Voilà, on va faire exploser celui-là également parce qu'il prend le feu. On y va. Il y a une autre baguette pour moi. Les baguettes ont des effets, on va voir ce que ça donne un petit peu après. Alors on la prend, on la met dans l'emplacement 4. Attention, on tient un feu. Oula, on est bon. Oula, 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 j'ai cliqué en dehors de l'écran en voulant tirer sur lui. Oula, dangereux. Il y a du poison. Oups. Est-ce que je peux le tuer? Allez, oh non! Il s'est éloigné. Il s'est éloigné. J'essaie de le tuer quand même. Et la bestiole qui... Ah, il est mort? Je crois qu'il est mort. Par contre, son or... Ah non, il est pas mort. Là, je
mince. Ah bon, ça bon. T'es mort ou quoi? Non, t'es reparti. Ok, je suis encore un petit peu mouillé. Alors, on va essayer de se tremper dans du sang si on en trouve. Là, il y en a, mais il y a une flamme, je veux éviter. Là, il y a du poison, je veux pas. Alors, il me reste. Alors, il y a ça, je sais pas ce que ça fait. On va laisser sur lui. Oh, regardez comment il détruit le monde. Ok, je les ai charmés. Je les ai charmés, ils ont attaqué le gars, ils l'ont tué. Ah, je veux leur vite. Ah, je veux leur, c'est génial. Alors, par contre, j'ai peur de ce qui va arriver quand ils vont plus être charmés, parce que là, je crois qu'ils vont me suivre. Allez, partez, les gars, partez. À moins que... Ok, petite surprise. Venez, les... Wow. Ok, de l'or pour moi. Oula, c'est quoi, c'est le... Je sais pas c'est quoi, ça. Purée. Et alors là, là vous pouvez voir qu'il y en a un qui est encore charmé, mais bon il a l'air d'être lent donc je vais le pardonner, il va pas me rattraper. Lui il doit lâcher soit du gluant, soit du produit qui charme les autres, je suis pas sûr. Bon, continue notre chemin. Allez toi, je suis à combien, je suis à ça. Franchement je sais pas comment j'ai encore des points de vie. Voilà. Ah oui, et au passage, l'eau ralentit les projectiles, regardez, je vais me mettre là. Vous pouvez voir au bout, vous voyez, ça ralentit comment ça? Ça, c'est vraiment génial. Vraiment, tout est géré dans le jeu. C'est vraiment bluffant, bluffant. Et je voulais vraiment vous le présenter avant, mais c'est un jeu spécial et il y a tellement de secrets. Finalement, j'ai décidé de le présenter avant de tout découvrir. Alors, il me faudrait vraiment sortir d'ici pour pouvoir passer au stage suivant et surtout voir un petit peu en détail ce que mes baguettes ont et faire mes propres sorts. Alors, il y avait du combat là-bas, on va l'ignorer. Voilà, on le tue. Là, ah, poison, poison, poison. Ah, pas bon, poison. Alors, je vais trouver de l'eau, vite. Il y a des dégâts avec des shotguns. Oula, ça, c'est pas bon. Ouais, je veux... Ah, voilà, on va partir, on va partir. On part d'ici, ouf. Parce que sinon, je vais mourir. Il y avait des gars intéressants à tuer. Je vais dans l'eau, je retire le poison qu'il y a sur moi. Alors, on va prendre toi. Voilà. Et on va pas prendre lui, parce que lui va remettre les charges des armes que j'ai, déjà. Alors, déjà, on va regarder un petit peu en détail. On détaille pas, on détaille, on va déjà voir ce que toi tu peux faire. Ah, ça invoque dégâts. Alors, oula, alors, oula. Non, non, t'as remis la charge. Ok, j'aurais peut-être dû les, j'aurais pas dû les attaquer. D'accord, ça invoque dégâts qui travaillent, qui combattent pour moi et j'arrive pas à les tuer. Déjà, je peux les viser bien. Ok. Vous allez m'attaquer maintenant ou non, ils m'attaquent pas? Bon, alors je vais les laisser parce que voilà. Du coup, on a combien? On a 249, vous m'attaquez pas? Non, vous m'attaquez pas. Alors toi, tu es trop cher. Toi, tu vas me coûter. Non, ça je veux pas. Ça j'ai pas assez, ça j'ai pas assez. Je suis vraiment déçu par contre. Alors il y a quelque chose en bas. Je peux péter le mur là. Mais je sais pas à quoi ça sert d'aller là-bas, donc on le verra plus tard. Donc maintenant on va regarder mes baguettes. J'en ai 4 et vous pouvez voir les sorts là. Je peux les retirer des baguettes pour les mettre de côté et les combiner avec une autre. Donc celle-ci a 3 emplacements. Je peux par exemple prendre toi. Ah ça, ça invoque un bonhomme. Ah toi. Mets le feu à notre baguette. Ouais, donc je pourrais mettre le feu à combiner, faire un sort. Bon, on va essayer, on va voir ce que ça va donner. Hop. Donc, ma baguette est en feu, ce qui veut dire quoi? Non. Donc je sais pas trop ce que ça veut dire là. Mais ouais, bah on va partir parce que je n'arrête pas de me faire attaquer. Et alors toi on va te mettre ici, ça ne sert à rien, je veux pas mettre le feu autour de moi n'importe comment. Et là on a un de trois avantages à choisir. Donc plus d'amour, plus de sang, bouclier permanent. Bon, on va prendre le bouclier permanent. Donc vous gagnez un petit bouclier permanent, c'est génial, ben, ça je suis vraiment content. Et qu'est-ce que l'on peut faire d'autre? Bon, on va laisser les autres tels quels. Lui, il faut faire gaffe à lui, parce que si j'ai fait des dégâts à mes familiers, ils vont contre-attaquer. Là, je détruis. Et on sort. Et je garde toujours ma première baguette et j'en veux vraiment une meilleure parce que je suis pas content de celle-ci. Alors, toi t'as un shotgun, mais. Ouais, c'est vraiment gênant parce qu'ils me suivent. Je veux pas qu'ils me suivent. Ah ça y est, ils sont plus charmés. Ils sont plus charmés. Pouf! Oh là là, j'ai fait une bêtise de sortir cette arme. Peut-être sur un gros boss. Ah, peut-être toi. Alors. Baguette. Je sais pas c'est quoi. On va remplacer celle qui charme. J'aurais peut-être dû mettre de côté quand même leurs effets. Alors. Peu bizarre, mais ouais, pourquoi. Oula. Du moment que ça tue les bestioles, ça me va. J'ai l'impression que ça suit partiellement. Donc là, j'ai un petit peu du gluant sur moi. Ah, il y a du sang. Ah, il y avait de l'or là-bas.
colle. Oh, ok, ça l'a touché. Alors. Ça tombe un petit peu. Voilà. Oh, elle est pas mal celle-ci en fait. Hein. Elle est un petit peu dure à utiliser comparée aux autres, mais. Ah, alors là, déjà la sortie. Voilà, alors je vais marcher pour récupérer, mais je vais pas sortir tout de suite. Voilà, j'ai. Ok. Mon bouclier, merci bouclier. On a 82% de poison, ouais. Alors on va passer au stage suivant. Là, je devrais vraiment pas faire ça pour être franc. Mais je veux aller le plus loin possible et vous montrer le max de choses. Alors, qu'avons-nous là? Ah là, nous avons différents effets. Nuage d'acide, flèche invoquée, lanceur de boules de feu, 14, d'accord, donc c'est illimité. Un toucher doré. On va prendre le toucher doré pour voir. Et on va le mettre à un sort. On va te mettre sur toi. Ah, qu'est-ce qu'il me dit? Transforme tout dans un rayon court en or. Les murs, les créatures et nous-mêmes. D'accord, alors. Bah, est-ce qu'on peut Non, c'est pas transformé en or. Non. Cette histoire. Peut-être faut tout retirer. Je sais pas comment me servir et là du coup je me sens un petit peu arnaqué. D'accord, bah je sais pas. On va le garder de côté. On te remet là. Et on continue. Bon, on a plus que 69, donc on continue notre chemin. Et ça c'est en réduction, je sais pas pourquoi. On va te prendre, on va te mettre là. Tac. Parfait. Bon, on va recharger nos. Bah, j'ai même pas vraiment besoin de les recharger. Bah tiens, je vais pouvoir vous montrer. Hop, quelque chose là-bas. Et je sais pas trop ça. Allez, ici. Il y a ça. On va te détruire. Ça a disparu. Mais je sais pas trop. Bon, on récupère les charges et on passe à la suite. Donc là, j'ai un autre avantage qui m'est donné. Immunité contre la mêlée pour ramasser loterie. Plus de. Bon, on va prendre celui qui nous permet d'être immunisé contre les dégâts physiques en mêlée. L'avoir tué mais en fait non. Oula. Il s'est passé quoi là? Il y a un gars puissant dans le coin. Ouh. Il est mort. Oh ok. Ça je ne m'y attendais pas vraiment. Oh, c'est la première fois que je le vois lui. Il a l'air coincé, je vais en profiter. Ah, par contre, mon arme fait vraiment pas beaucoup de dégâts. Hein. L'autre, elle faisait quoi déjà? Elle fait rien. Faut la remplacer. Oula, oh! Ok, il y a un sniper là-bas. Il est parti où? Il est parti vers là ou? Oui, il a été tué. Il est tué, pas qu'il a été tué par lui. Je crois qu'il a été tué par lui. Bon, on va éliminer le sniper là-bas. J'ai un bouclier, mon gars. Ah, parfois, faut vraiment abandonner l'or. Je suis coincé. Mais tiens, le set il tombe dessus. Oh, j'ai pu sortir. On va partir, on part. Oh purée, j'étais coincé dans le trou. Ok, donc là il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Mais c'est une zone complètement folle.
Alors on va beaucoup mourir dans ce jeu là. D'accord, bah ça arrive, on est mort, on est arrivé. Alors regardons un peu nos stats. On n'a pas eu notre meilleur. On est allé à 414 mètres de profondeur, ce qui est mon record apparemment. On a visité 4 endroits et vraiment celui-ci, oh là là. Bon. Bon. C'est pas grave, on va refaire une autre. Une autre aventure, hein, pour vous montrer un petit peu cela. Alors, bon. Ah. Ok. Hop, on met un peu le bordel derrière nous. On est rentré dans la mine et nous... Alors, je vais pas pouvoir passer. Si, je vais pouvoir passer là. Quelle baguette. C'est... On va essayer de regarder son détail. Nuage de pluie. Ok, c'est pour éteindre... D'accord, c'est pour éteindre les incendies. Si... Hop là, si on a besoin. En dessous, il y a... Alors, je vais me mettre là. Parfait, comme ça. Juste parce que je peux. Ah, j'ai pu faire le... Ok, c'est tombé en dessous. À toi, baguette. Celui-là, on les a vus tout à l'heure. Hein. C'est quoi ça déjà? Très crasheur minuté. Ok, c'est pas génial. Fais-moi de la place. Oula, alors lui. Oula, lui va être un problème. Lui va être un gros problème. Ok, il est mort. Heureusement, parce que j'ai une arme pas puissante là, donc ça m'inquiète un peu. Ça bat son tour. J'ai pas besoin d'être celui qui fait les kills hein, pour avoir l'or. Ils se tuent entre eux, ça me rapporte mon or. Alors je peux cogner ces projectiles avec les miens pour les repousser. Ce qui peut également parfois bah, fait qu'ils se tuent eux-mêmes. Vu que il se prend son explosion. Ça tape en bas. Tiens, tu es juste là, rapproche-toi. Shotgun. Alors là j'ai plus mon bouclier par contre. Je suis couvert de sang, ce qui va permettre de booster un peu mes crits. C'est cool. Ah voilà, regardez, hop, génial. On est quoi? On est à 80$. Et là il a tué un gars il y a pas longtemps. Alors ce que je voulais c'est le tuer sans qu'il me balance. Ah ok. Voilà, je suis à 60 points de vie. Ah j'ai oublié de sortir ma... J'ai oublié de sortir ma souris silencieuse. Voilà. 180, je vais pas sortir tout de suite, du moins que j'ai encore un peu de points de vie. Non, j'ai fait pleuvoir. Je voulais pas faire pleuvoir. Venez là, plus les bonhommes. Oh, je voulais le balancer dans le trou. Je sais pas si ça lui a fait du dégât, il s'est mis en feu. En feu, il est mort. Alors, je vais sortir ça. Oh non! Non, j'ai jeté. Ah! Oh, j'ai jeté la fiole au lieu de. Zut! Je voulais l'utiliser. Bon, c'est pas grave. Alors, du coup, on fait pleuvoir là. On va éteindre le feu. Vite! Ah, trop tard. Dommage, j'ai plus de fiole. Il m'en faut trouver une autre. Hein, on peut en trouver dans le monde. On est quoi? On est à 215. Ouh! Ok, après lui, je vais y aller. On a 29 points de vie, je peux peut-être tuer celui-là. Alors attention, à chaque fois on se dit un petit peu plus. Et après on va finir par se noyer ou... Oula, ok, vous voyez. Par exemple, oula, ok, d'accord, c'est pas ce que je voulais faire. Je voulais le lancer un peu plus loin. Mais je vais quand même prendre l'or. Ouh. Regardez, tout est tombé. Bon, alors on y va. On va se soigner. Et on va voir si on peut trouver de meilleurs. Alors, vous pouvez vraiment avoir des trucs superbes hein, en sort. Vous pouvez avoir des trous noirs, des grosses météorites. Ah, ça, c'est quoi ça? Je sais pas c'est quoi l'effet. Ils me disent pas tant que je l'achète pas. De toute façon, j'ai 255. Ouh, est-ce que ce serait pas ça les météorites? Non, ça, c'est des boules de feu. Ah, 255, ça, je peux me le permettre. Ça, mais je suis pas terrible, non. Ah, oh, ça, c'est. Ce serait pas le trou noir? 250. Tu remplaces le toit. Alors je vais tester.
Ouais, c'est bien trou noir et avec un triple sort à dispersion. Lance 3 sorts simultanément avec une faible. Oui, c'est parce que là. D'accord. Alors. Là, ça m'en a lancé qu'un. D'accord. Mais ça, c'est quand même bien puissant. Donc ça va m'être utile. Ça va vraiment dévorer tout ce qu'il y a sur le chemin. J'aurais peut-être dû prendre les boules de feu. Mais si j'ai un boss, le trou noir va lui faire mal. Hein. Alors, on a quoi en avantage? Sort concentré. Nager vite. Sans de geler. Je sais pas trop ce que c'est. On va prendre ça. On saigne du slime. Mais le slime ne nous ralentit plus. D'accord. Et là, si on n'aime pas ce que l'on a, on peut payer pour roll notre personnage. Hein, mais bon. Alors, hop. On y va. Et là, j'ai fait exploser sa dynamite. Alors. Hop. Ok. Je vais t'avoir, je te veux. C'est pas possible. Ok, il faut vraiment une meilleure arme basique que celle-ci. Toi, on va t'éliminer. Alors ici j'ai du slime sur moi, je peux donc ramasser l'or sans trop d'inquiétude. Et alors on va tester pour se marrer. Ah je l'ai raté. Zut. Ah zut, ah c'est trop beau ça, j'aurais filé, je l'aurais eu. Alors toi, ensuite. Alors au passage il y a des choses également à l'extérieur de la mine. Hein. Mais bon, ça c'est pour des choses plus avancées, vous pouvez... Vous pouvez mélanger pas mal également de produits chimiques pour obtenir ce que vous voulez. Enfin, il y a vraiment tellement de secrets et vraiment, je suis encore en train... Oula, j'aurais voulu faire exploser. Je suis vraiment encore en train de découvrir tout ça, pour être franc. C'est vraiment un jeu incroyable. Pour moi, c'est le jeu qui m'impressionne le plus des derniers mois. C'est pour vous dire, à moi, c'est pas forcément les beaux graphismes, c'est... Le détail qu'il y a derrière les mécaniques de gameplay qui m'impressionne. Alors bon, tant pis pour là-bas, parfois vaut mieux pas suivre les lore. Et une baguette. Je vais remplacer le nuage de pluie. Franchement. Oula. Ok, est-ce que ça fait plus de dégâts déjà? Ce truc. D'accord. Oula. Alors, on est proche. Oula. Je vais prendre l'or, mais je vais pas sortir tout de suite. Je vais virer le poison en allant dans le slime. Ok, c'est pas suffisant. Vite. Ah, là, il y a de l'eau. Là, il y a de l'eau. On y va. Alors, c'est quoi ce truc-là? Ouh, idéal pour les opérations minières. Ah, d'accord. Ah bah ça peut être utile dans certaines conditions pour être franc. Je vais pas faire dégâts avec, mais quand je vais aller voir un autre endroit de la mine. Regardez, et là j'obtiens de l'or, génial. Oh, ça y est, là ça y est, je suis vraiment un mineur. Bah tiens, il me fallait la bonne baguette. C'est génial, alors ça donne pas énormément d'or, mais franchement... c'est également pratique pour se déplacer. Alors, je vais prendre toi. Vous voyez, regardez, là le nuage de poison... Pas été. Oula, ok, non, je suis à 27 points de vie. Ok, on est reparti. Oula, je vais prendre feu, peut-être le poison combustible. On est à 19 points de vie. Pff, bon. Alors, laisse-moi aller vers mon or. On va sortir de là en passant par là. Allez, ah, ça va être un petit peu long dans la direction là. Peut-être ma baguette est pas assez puissante. Okay. Bien. Alors mes points de vie. Et voyons voir les bagages. J'ai combien? J'ai 279 et j'ai juste assez pour elle. Qui fait plein de trous noirs. Ouais. Pour être franc, je sais pas vraiment si on a besoin de toi. Et si je te mettais là, toi? On va essayer de nouveau ça. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal de le mettre plutôt comme ça. Donc on va ignorer toi.
Si je te mets, est-ce que ça augmente le nombre de charges? Non, ça n'augmente pas le nombre de charges. D'accord. Bon, pour être franc, je pourrais peut-être mettre ça là. Pour... C'est quoi celui-là? 500 en pentagone. On va te mettre comme ça. Et on va voir, voilà. Comme ça, si je veux miner, je vais pouvoir bien miner là. Alors, quel est l'avantage? Grâce salvatrice, je vais peut-être pas mourir tout de suite. Enfin, si je meurs, je reprends des vis. Hein. Dissoudre les poudres, ok. Téléportation aiguë. On va prendre toi. Et l'avantage est, si tu as qu'un point de vie, tu ne meurs pas. Ouais. Si tu as plus de points de vie, tu reviens à un point de vie, d'accord. Une deuxième chance. Alors. Oula. Oula. Ok. Oula. Ok, c'est bon, du cam. C'est du cam, toi. Oh la vache! Purée, mais dites donc! C'était énervé là! Je voulais juste ma baguette! Oh, j'ai déjà la moitié de mes points de vue! Ouh! Qu'est-ce que ça? Qu'est-ce que je pourrais virer? Allez, on va virer celui qui mine! Allez, on va virer celui qui mine, même si. Je veux voir ce que c'est! Oula! Ok! Oh! D'accord, c'est des mines! Ah, c'est génial, d'accord, c'est des mines! Voilà! Bon, ça, c'est parfait! Oula! Oh, 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 oh! Ah, je pensais le tuer avec ça, mais l'eau a dû. Ah, il attaque! Oula! Oula! Ouh! Dans l'eau pour contrer le poison. Non! Le jeu est dur, mais il est fun et il est addictif et il y a tellement de diversité. Et là, alors on est allé à combien de profondeur? On est allé. Oh, on a eu plus d'or cette fois-ci. Enfin, je suis mort avec plus d'or sur moi. Et on est allé à 340. On n'est pas. Oh, voilà, d'accord. Et donc voilà, bah, je vais m'arrêter là pour la présentation. Hein. Comme je vous ai dit, le jeu est fun, il est dur, il est addictif, il y a beaucoup de secrets. Vous pouvez aller à l'extérieur de la mine. Vous vous rappelez au tout début, moi je suis entré dedans, mais vous pouvez visiter. Hein, voir ce qu'il y a dehors, et il y a un grand arbre, il y a d'autres choses que vous pouvez découvrir, vous pouvez obtenir des œufs de créatures que vous pouvez faire éclore, vous pouvez par exemple même faire une potion en mélangeant différents ingrédients qui va transformer tout ce qu'il y a autour de vous en or, et donc vous pouvez aller au cœur de la planète, ou je sais pas quoi, enfin vraiment vraiment profond, en transformant tout en or, il y a vraiment vraiment beaucoup beaucoup de choses à faire dans le jeu, et moi je le trouve bluffant et incroyable. Voilà, donc j'espère que la présentation vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu pour me faire plaisir, et pour valider mon boulot, et moi je vous dis ben, à bientôt sur une autre vidéo. Bye bye.